Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible engin.
Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles peints de cambouis, mais sur les biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait « Maman je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne et le moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes, le moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus et ses larmes pareillement. Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement, il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage, un niveau se vit comme un éclair de feu. Contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa tous les débris, on trouva sa culotte, ses bottes, le moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui sème la terreur. Voilà, il va être 15h, ça va être le départ. C'est impressionnant. Et les motards vont prendre le départ. Tout ce qu'il y a.